Comment ça va, la Bousille TV? Épisode 62432 sur cette série Supermarket Simulator. Et on est toujours dans mon petit magasin pour ceux qui ont loupé l'épisode précédent. Laissez-moi remercier Clara déjà pour le sub. Et pour ceux qui ont loupé l'épisode précédent, on a acheté quelques licences. On n'a pas eu le temps d'agrandir de full magasin. Mais voilà, on a quand même pas mal de petites choses avec ici des bonbons, des gâteaux, du pain de mie, on a un peu de lait. Ici, on a tout ce qui va être petit déjeuner, si je puis me permettre, avec du nouveauté qui est arrivé. On a du sucre, pas mal de sucre, de la farine. Là, c'est toutes les huiles et le sel avec une place pour la prochaine licence. Ici, tout ce qui est ménager avec le PQ. Ici, il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs. Il me reste quelques stocks à regarder. Là, on va avoir les œufs, le beurre. Là, ça va être toutes sortes de fromages. Là, ça va être les yaourts et le thon. Et ici, les congélos avec les frites, les pizzas, le poulet. Et là, les boissons. Donc, on a une caisse là, une caisse là. Je vais peut-être dans cet épisode essayer de faire le glitch pour avoir une caisse dehors. Parce qu'une caisse dehors, ça me permettrait d'aller sans doute un peu plus vite. Là, on est niveau 26 bientôt, donc on est pas mal. Et voilà quoi, les gars, c'est parti. Objectif level 30 ce matin, je sais pas si ça va être possible. On va restock tout ça. J'ai 1000$, donc je pense que ça va être compliqué de pouvoir acheter une caisse là. Sachant qu'il me reste, il manque pas mal de choses, mais on va tout donner, les gars. Au pire, ce sera le jour d'après. Ok, ça, c'est bon. Le thé vert. Ici, il part pas énormément. Ici, on va avoir deux beurres de cacahuète. Super, on peut jeter. Il faut peut-être que pour... En vrai, j'ai vu ça sur le live de Fab. C'est pas mal de garder des cartons vides que je mets là. Au cas où, genre, j'ai besoin de déplacer des choses, tu vois. Au lieu de devoir en racheter à chaque fois. Les spaghettis. Yo Bouzy, je kiffe tes vidéos. T'es un bon force à toi. Merci, ça fait plaisir. Mais j'ai vu sur TikTok, tout le monde live sur ce jeu, en fait. Parce que quand je vais sur TikTok... Ou alors, c'est peut-être TikTok qui me met ça en référencement. C'est peut-être ça aussi. Mais quand je vais sur TikTok, j'ai l'impression que je regarde que du Supermarket Simulator, les gars. C'est que ça. Ah oui, ça, c'est mon eau. Putain, j'avais oublié, les gars, mais j'ai une nouvelle eau. Et le truc, c'est qu'il va falloir que je fasse de la place pour cette nouvelle. Je pense qu'on va faire 3 et... Non, ou 2 et 4. 3 et 3, ce serait le plus opti. Après, faut pouvoir la prendre. Est-ce que, du coup, dans mes cartons-là, je peux prendre mes bouteilles d'eau? Ce serait vraiment beau. J'y crois moyen, mais... Oh, putain, c'est-il pas beau, ça? Oh, ça me fait bander. On va faire 3 et 3, les gars, avec ma nouvelle eau. On va faire comme ça. Pourquoi tu mets pas ton stock dehors, plutôt? Ouais, je vais voir. Aujourd'hui, on va peut-être faire des petites nouvelles manips. D'ailleurs, les prix, faut que je change, les gars. Faites-moi penser, parce que les prix, les gars, là, ça va pas du tout. Hein. Hier, on a tenté un truc. On a mis tous les prix à 1€ de plus. C'est dans l'épisode précédent. C'était pas forcément incroyable comme idée, quoi. Mais bon, on aura tenté. Spaghetti encore, là. Parfait. On vide pas mal le stock, là. C'est cool. On vide tout ce qui est gros carton, etc. L'apple juice. Il en manquait. Jus d'orange. Parfait. D'ailleurs, ce matin, moi, j'ai pris petit jus innocent, fraise, je sais plus quoi, là, guarana, là, truc de guarana, là, pour avoir la forme, quoi. Donc là, je suis prêt pour cette matinée. Hein. Bon, bah, on va pouvoir passer les commandes. Hein. Le stock, il nous en reste plus beaucoup. Ouais, je pense que les 1000 balles, ils vont vite partir. Ok, les prix. Ok, et est-ce qu'on se mettrait pas à chaque fois 50, voire 60 centimes au-dessus de la moyenne du prix du marché? Est-ce que ce serait pas une bonne chose? Là, c'est 3,13. Est-ce que je mettrais pas 3,63? Genre, pour être toujours 50 centimes au-dessus. Comme ça, on est vraiment fixé, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est 4,96, donc on va mettre 5,46, tu vois. C'est l'inflation, ouais. Même dans le jeu, hein. On est RP, hein. Après, le jeu, les gars, il a été créé dans quel pays? C'est quel pays qui a fait le jeu? Ça se trouve, ça peut jouer aussi sur l'économie. 7,60, ça passe à 8,10. Ça fait plaisir de commencer la journée, là, en remettant les prix comme il faut. Comme ça, je vais être nickel pour toutes. L'épisode, c'est une très bonne nouvelle. Juste faire peur de faire des conneries, mais là c'est bon. Le jeu est français. Ah ouais, c'est la France qui a créé le jeu. Mais non, incroyable, vraiment? Je pensais pas. Mais là, faudrait qu'ils se bougent le cul sur des mises à jour parce que le jeu est tellement bien. Il y a moyen d'avoir un jeu qui dure quand même un petit peu de temps. Ce serait con de passer à côté. Donc, je pense que là, faudrait, vu qu'ils ont dû faire pas mal de chiffres, faudrait absolument qu'ils recrutent ou qu'ils fassent quelque chose, quoi. Moi, si des fois je me trompe, mais normalement, je suis pas mal. Hein. Monte tes fesses. Mais pourquoi? Je monte jamais mes fesses. Il nous reste que les frigos. Et après, on est watibon. Hein. Là, est-ce que j'ai tout là? Là, on est bon. Là, on peut passer commande. On va commencer par là. Donc, il nous faut deux comtés, un yaourt, un thon. On va prévoir un peu stock. Ok, on y va. Boisson. Putain, les boissons, j'avoue. Putain. Bah, les gars, je perds la tête ou quoi? Je suis clairement en train de perdre la tête. Ah, putain, heureusement, vous êtes là, les gars. Ok, très bien. On met un peu de yaourt. Au tout début que j'avais acheté la licence yaourt, j'ai rien vendu. Et là, ça y est, ça commence. Les gens commencent à kiffer mes yaourts. Danonino. C'est des Danonino, les gars. Vous avez la ref. Ça. 3,99. Oh, le prix psychologique. C'est pas mal, là. On va peut-être juste en mettre les cartons, là. Ça fait cher, le PQ. Le PQ, c'est cher, les gars. On le sait tous.
Après, c'est du PQ qualité. Hein. Vous vous trouvez pas avec un doigt dans le cul quand vous essuyez le cul. Tu vois, la feuille est quand même relativement épaisse. C'est quand même l'avantage. Le nombre de fois où quand tu vas dans des restos ou quoi et que le PQ est merdique et que tu te retrouves avec un doigt plein de merde, tu sais, c'est relou. Les petites pattes, mes pattes sur deux rayons, je suis pas fan, mais bon. Je vais repris en stock au cas où. Ensuite, farine bleue, deux farines rouges. 320, bim. Après, ça, c'est des items qui partent relativement vite. Là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Et je pourrais stocker ici, là. J'ai de la place pour stocker, au lieu de revenir à chaque fois. Ce serait mieux, je pense. Tu vois, je peux stocker là, en fait. Le sucre Pablo, là, on est pas mal. Il reste 319. Lait, on va en prendre 3. Beurre de cacahuète, 2. Ah, mais là, est-ce que je vais avoir assez? Pas de perte ici, les gars, pas de perte. Oh putain, il me reste que 14. Oh merde. Après, normalement, après, c'est bon, hein, en soi. Le petit beurre de cacahuète, même si moi je suis team. Y a pas de pâte à tartiner, c'est bizarre. Je suis quand même team pâte à tartiner que beurre de cacahuète. Hein. Le petit lait. Non, l'objectif là, c'est d'agrandir, donc je peux vous dire qu'on n'y est pas. Hein. Il nous faut 6 700 $, les gars. Je peux vous dire que là, on n'y est pas encore. Hein. Bon, let's go. J'ouvre et je me mets à la caisse. Et puis on va voir. Hein. Normalement, avec cette licence, avec mon magasin, je fais environ 2500 quand j'étais en mise en rayon, mais pas en caisse. Donc j'avais les deux employés qui étaient caissiers. Et là, on va faire un test du coup, moi caissier avec Boris. Grégoire, je l'ai viré là pour l'instant. Et puis on va voir. Hein. Mais si je peux gagner un peu de thunes, ce serait pas de refus. Là, ce qu'il faudrait prendre à tout prix par la suite, ce serait les gâteaux bon papa. Donc je vais commander au pire gâteau bon papa. Gâteau bon papa. Ah, poulet, putain. Poulet 2. J'ai les factures aussi à payer, hein, on n'oublie pas. Hein. Bonjour madame. Ah oui, ah oui. Ça se fait plaisir. Donc là, j'aurais des 93, 92. J'ai remis des petits chiffres de merde. Bonjour monsieur, d'accord. Soirée foot ce soir. Hein. Soirée foot là. Hein. Ça a arrêté le stade Rennais à 17h05 contre Lorient là. Allez, passe la commande. Dans ma caisse, mais pourquoi vous allez tous à l'autre caisse? Venez me voir aussi. J'arrive, monsieur. Je suis à vous dans quelques secondes. Parfait, je suis là. Ok, par carte. Très bien, bonjour madame. Tac. En fait, quand on fait la strat là d'être caissier, il faut vraiment prendre un peu plus le temps de re-remplir le rayon le matin. Ouais, ce que je veux dire. Très bien. 1,16. Attends, ça se voit, j'ai été caissier dans ma vie, les gars. En vrai, ça travaille le cerveau, hein, ça travaille le calcul mental. Hein. Les petits gâteaux. Ah, j'arrive, madame. Ne vous inquiétez pas. Monsieur, plutôt. Une fois, j'ai été caissier, les gars. J'ai dit bonjour, monsieur, à une dame. Elle m'a fait un procès. C'est pas une blague. Pendant 10 minutes, j'ai dû appeler la responsable. Elle m'a défoncé la gueule. Elle m'a insulté toute ma famille. C'est en fin de journée en plus. C'est vraiment pas une blague. C'était une dame... Mais tu sais, moi je regarde même pas trop des fois. Si, voilà, je fais pas gaffe forcément. Elle avait les cheveux courts, un peu de moustache. J'ai pas trop regardé. Et, bonjour monsieur. Oh madame, comment ça vous m'avez appelé monsieur? En fait, je pense qu'on doit... Il y a eu pas mal de fois où on lui a fait la remarque et du coup elle est en mode mais wesh, mais pourquoi vous m'appelez monsieur? C'est vrai que ça peut être relou, je peux comprendre d'un côté, tu vois. Mais bon, là j'ai vraiment pas fait exprès quoi. C'était pas voulu, hein. C'était pas pour me foutre de sa gueule ou quoi, tu vois. Ok, la lumière. Monsieur, tac 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 tac, je suis à vous. Hop 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 hop. Très bien ça. Narvalo! Narvalo, c'est la cause, c'est le jeu de mots avec quel café celui-là? C'est pas la Vezzi, c'est quel café celui-là?
plus à vous. L'espresso. C'est ton espresso, tu crois, non? Le compte est bon. Ah, bien sûr, moelle. Même pas. Tous les clients, lui. Hein. Il est beaucoup apprécié. Hein. Oh putain. Oh putain, les patates. Pommes de terre fois. Oh là là. Y a plus de patates. J'ai pas payé les factures. Hein. J'ai pas payé les factures. Donc, patates fois 4. Spaghetti. C'est des pommes de terre. Il est 21h donc je peux pas acheter là. Bonbon x 1. Lait encore. Lait. On peut remettre ça en rayon. Les gens sont pas pleins alors que j'ai 50 centimes au-dessus quand même. Hein. Je trouve que les gens se sont pas trop pleins. C'est plutôt une bonne chose. Ok, on a fini la journée. On va voir le chiffre. Est-ce qu'on a fait plus de 2500? Ah, 2500, ouais, mais peut-être que j'étais à 2500, un peu moins de 2500, du coup, sur quand j'avais deux caissiers. Produit trouvé trop cher, 15. Est-ce que c'est beaucoup? Je sais pas trop si c'est beaucoup. Alors, on a quoi? Mozzarella, pain de mie-miel. Mozzarella. Pain de mie-miel. Ça fait pas mal. Ah, c'est beaucoup, quand même. On a fait quand même 2500, hein. En vrai de vrai. C'est quand même pas dégueu, hein. Sachez-le, hein. Pour une patate, c'est relou. Ok. Facture. Ah ouais, les factures. Oh, j'ai double facture, là. Vous avez la strat, les gars, pour mettre la caisse dehors ou pas? En vrai. Ah, j'ai que ça à payer en banque. Ouais, mais je vais me faire un max de thunes, là, alors. Ah, j'ai que ça. Wow, ouais. Ah ouais, j'ai encore 900, alors que... Ah ouais, bien. C'est quoi la strat, les gars? Je m'en prends une. Fourniture. Tu la places dehors et tu relances la sauvegarde. C'est ça la strat? Attendez. Moi j'essaye. On a qu'une vie les gars. Il fait ça. Il fait ça. Il fait sauvegarder. Quitter vers le menu. Continuer. Oh. Oh. Mais là, est-ce qu'elle est bien placée? Parce que les cartons ils sont là, non? Je retente. Si je me mets genre là. Est-ce que ça change quelque chose? Là, je me mets là. Sauvegarder. Quitter vers le menu. Et là, on met... Continuer. Ah non, elle est plus proche ou pas? On est bien. Ce qui fait que là, du coup, gestion. Embaucher. Tac. Il se met là et moi, je me mettrai là. Ok. Et si je la mets... Je me mets là. Sauvegarder. Quitter vers le menu. Ah non, ça change rien, on est d'accord. Bon, du coup, ouais, ça se met derrière la caisse. Est-ce que c'est grave? Ça me fait perdre vite fait un peu de temps, mais c'est pas très grave, si. Pas très grave. Tourne de sens avant de le faire. Ah, bien vu. Oula. On essaye. Je la mets comme as. On teste, hein. C'est non. Il me reste 230, mais j'ai acheté une caisse. On va commencer à faire de la marge, de la belle marge. La technique avec les autres et des bouchelles qui sont mal placées. Ah, bien vu. T'es fort, mec. Putain, il y en a, vous êtes vraiment fort, bande de bâtards. Vous avez vraiment un cerveau. Ok, donc là, je prends par exemple cette caisse-là. Je la prends et je la mets là. Ça marche pas. C'est pas grave. C'est pas grave, les gars. On reste debout. Bon, bah, open the magasin. On va ouvrir. En attendant, je vais commander farine. Zap. Et j'avais dit quoi d'autre déjà? Il y a un autre truc. Poulet. Bien vu. Mais j'ai la mémoire un peu courte. Et là, après, j'ai tout restock. Donc, franchement, là, et j'ai payé mes factures. Donc, je peux vous dire que là, je suis bien. Ah, là, je suis bien. Des clients à ma caisse, non. Ma caisse, elle est un peu surélevée, hein. Elle est un peu surélevée, ma caisse. Patate. Dites-moi qu'il y en a un qui a acheté des patates. Voilà. Voilà. Je vais laisser le carton là parce qu'il est gros. Voilà. Ah, quelqu'un à ma caisse dehors. Bonjour, monsieur. Oh, vous êtes pas très grand.
Et voilà, monsieur. Ah. Non, ils partent pas en courant, tu vois. En fait, moi, je suis une caisse en plein air, comme le cinéma en plein air ou quoi, tu vois. Essayez d'avoir une caisse en plein air. Profite de la vitamine du soleil. Ok, sel 1, cola là-bas. Excusez-moi monsieur, je remplis juste derrière vous. Hop. Sachant que j'en ai là-haut aussi, putain. Je fasse gaffe. Pas que j'oublie. Comme ça tu remplis derrière. Bah je remplis derrière. Voilà. Derrière lui. Simplement. Un petit peu de sel par-ci. Et monsieur, bonjour. On dirait pas Fabien ? On dirait pas Fabien ? En vrai. Ça fait de la merde. Vous me videz les pattes là. Ok, il me faut des coquillettes. Allez, monsieur. Madame. Oh, putain, je voyais pas sa carte. Faut que j'allume la lumière, monsieur, dame. Hop les. Ça c'est fait. Ah oui. Ça se fait plaisir. 63,95. Pas mal d'argent là, non ? J'ai l'impression. Donc, je fais quand même pas mal de tunas là. Je pense que je vais me reprendre des frigos ici. Quand tu payes par carte, tu peux pas arnaquer, non. Quand tu payes en liquide, tu peux arnaquer quelques centimes, mais par carte, tu peux pas. T'es baisé, mec. Désolé. Ok. 1440. Encore pas mal de gens à la caisse. Il me faut quoi là ? Riz basmati. On est pas là du riz basmati ? Si, il est là. Et parmesan, comté, mimolette. Oh la vache, elle va faire un sacré gâteau, elle. Bonjour. Oh, oh, oh. 144. Les pastilles, ça coûte très cher. J'avais soif. Parmesan, mimolette. Et quoi j'ai dit ? Comté. 21h, je peux pas acheter. Ah mais c'est la fin de journée là. En vrai on a fait pas mal de chiffres aujourd'hui hein. Je vais pas vous mytho les gars, la caisse, je crois les gars j'ai vraiment fait beaucoup de chiffres. La dernière cliente, vous êtes la dernière madame. Super, trop bien. Et là j'ai fait combien là? 2140. Je pensais que j'avais fait un peu plus. Par contre produit trouvé trop cher, 23 les gars, c'est quand même beaucoup non? Ok, pâte, coquillette, pain de mie, lait. Coquillette, pain de mie, lait. Pain de mie. Lait. Baisse. Faut que je rebaisse encore là. Non. Non, là c'est bien, 50 centimes au-dessus. En vrai, ça permet pas non plus d'avoir 70 milliards de clients qui achètent. Et du coup, non, je pense que c'est pas mal, non? Hein. 30 centimes max, tout le monde est content. Je rechange tous les prix là. Faudra des œufs. Il me reste 1900, mais. J'ai que les petites factures à payer. En vrai, je suis bien. Hein. Là, on commence à faire. Non, mais là, en vrai, je suis bien. Je suis dans un bon rythme. Ah, moins 400 quand même. Ah, j'ai payé ma gorge à 1200. Mes stocks sont pas dégueux. Je refais une journée comme ça et je baisse. Combien? 30 centimes au-dessus. Tout va partir trop vite après. Aïe, et ce carton-là, il me casse les couilles. Poulet, là. Ok, par 4. 32. Il me reste 900. Après, j'ai du PQ restock, donc c'est pas mal. On se met 30 centimes au-dessus de la moyenne, les gars. C'est-à-dire que je perds 20 centimes par produit. Bon, bah, c'est parti, hein.
On refait tout. Sachant que le prochain investissement pour moi, les gars, c'est l'agrandissement. L'agrandissement coûte 6 700. Il faut vendre. Il faut vendre, j'ai pas d'autre choix. Oh, 43. 5. 6. 4, 56. 2. 60. On a fait plusieurs tests, hein. Et je pense que le 30 centimes, c'est ce qui sera le plus concluant. C'est un peu le truc chiant, mais bon. C'est ce qui te permet après de rentrer un maximum tes journées pour faire un peu plus de bénéf. Voilà, c'est trop long. On y arrive, on y est presque. Mais bon. On est bon là. On est très très bon là. Apple juice. Faudra juste que j'achète un peu de café. Je vais ouvrir. Café x2 là. Un miel pops. Oh putain, ouais. Céréales. On va prendre des céréales x2 de partout. Waouh, on a perdu pas mal là. On va se mettre bien. Du beurre. Ah ouais, le beurre. Merde. On s'en occupe juste après. N'inquiétez pas. Comment ça, c'est trop cher? Fous de ma gueule là. Oh, allez vous faire foutre. Ça me fait un circuit. Putain, j'ai trop. J'ai payé les factures ou pas là? Si, j'ai payé, je crois. C'est moi que j'ai payé, s'il vous plaît. Dites-moi que j'ai payé, s'il vous plaît. J'ai envie de chier, les amis. Putain, IRL. Hein. Putain, mais yaourt, il part plus. Mais yaourt! Bonjour! Le camion, là. Oh, c'est quoi? C'est vraiment ces voitures-là qui font le bruit d'un camion? Les bruits dans le jeu, je suis mort. Faut pas faire d'efforts sur les voitures. Moi que j'ai payé, s'il vous plaît. Oui, j'ai payé, là. Oui, j'ai payé. Let's go! T'as un salut de la Nouvelle-Zélande. Incroyable. Bonjour à toi, mec. La Nouvelle-Zélande. Oh là, t'es noir. T'es noir, t'es vert. Putain. T'es noir, t'es vert. Le prix. J'aurais pas dû en acheter autant, parce que si je veux faire du bénéf, là, si, faut pas que je trouve que je dépense. En plus, mon thé est vert. C'est par je ne sais combien, j'ai fait le con là. Là, j'ai fait le con là. Mais là, on peut le dire. J'ai perdu trop d'argent pour. Putain, pas grand chose. Comment ça, t'es noir? T'es. Bon, au moins, on est réapprovisionné pour pas mal de temps le thé, mais bon. T'es vert là, ça coûtait trop cher. Patate. Oh putain, j'ai plus de coquillettes. Merci pour le resub. De coquillettes. Non, je vais baisser mon thé, je vais le mettre au prix du marché, mon thé vert. Pour faire max de sous. Je suis toujours rentable en mettant merci au prix du marché. Pour le sub. Merci Hooper, merci pour le sub, mon petit Hooper. Ça fait extrêmement plaisir. Oh là, oui, ça fait le ménage là. Du monde là, ma caisse. Ah, je crois qu'on va faire pas mal d'argent là sur ce. Cette journée. On va faire pas mal d'argent. Ah. Wow. Le compte est bon. Ok. Céréales. Céréales partent vite, hein. Monter là, je vais le mettre à 6,60, on va le mettre un peu en dessous. Voilà. Oh non, c'est pas celui-là. Merde. On va le mettre à ça et c'est celui-là. 6,50. Ok, on a fini. Ah non, il reste deux clients. Poulet, putain. Tout le monde pour mes poulets. Ouais, là, de l'eau, il faut de l'eau. C'est une fin de journée, les gars. Je pense vraiment que j'ai fait pas mal d'argent. En plus, j'avais du thé là. Oh, le con. Combien, je sais pas. Mais là, je pense qu'on est bien là.
2700. Pour lolo, la journée de zinzin. Papa gâteau, ok. Papa gâteau. Alors, 30 centimes au celui-là, les gars, on a fait beaucoup. Hein. Par contre, attention, il faut réapprovisionner tout ça. Il me faut de l'eau x 3 et x 2. L'eau, c'est pas ce qui coûte le plus cher. J'ai mis x... Ah, le con. C'est beaucoup x 3, du coup. Un peu beaucoup. En plus, j'en avais en haut, là. Ah non, c'est du coca. C'est du soda. Pas grave. L'eau, c'est toujours bon. Qualité facture. Ouais. Les gars, là, on est sur une très, très bonne lancée ce matin. J'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez, j'ai 2200 sur moi et mes stocks sont trop bien, là. Vraiment, hein. Ah, putain, fais chier. Cette facture-là, quand elle tombe, elle fait mal au cul. Hein. Putain, la salope. Pardon. Jus d'orange. D'autres là-bas. Allez, un sprite, là, on est bon. Deux poulets, un frite. Pastilles au citron. Okay, pastilles au citron, j'ai des pastilles au citron. Non, les pastilles de la vaisselle. Très bien, ça. Très, très bien. Pastilles-ton. Ça coûte cher. Mais c'est rentable les pastilles. Ça fait max d'oseille. Et ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'on peut ouvrir là déjà, non? Vous pensez quoi? C'est chaud ou quoi? Miel, beurre. Ah ouais, putain, farine. Ah ouais, attendez, attends. Il y avait quoi ici? Il y avait quoi ici? Comté, mimolette, la maison, il y avait rien. Après, il me faut de la mozza, soit mozza. Comté, c'est bon, on va compter le reste. J'en prends, ouais. Comté, mozza. Ça, j'avais de la mozza ici et en bas, je crois. C'est ça en fait. Hop, on ouvre et là je vais me prendre farine, deux bleus, une rouge et sucre. Putain, il fout partout là. 335 et bim, et bim. On est déjà. Il lit son chat. Ouais, j'essaye, les gars. Après, c'est vrai que c'est un jeu où faut être en perpétuelle réflexion. Mais joli, joli. Ok. Il est incroyable. J'ai commencé vendredi 21. Je suis déjà à 16 heures de jeu. Je suis addict. Putain. En vrai, ça se trouve, il y a des gens, grâce à ce jeu, ils vont faire vraiment mise en rayon dans les supermarchés. Ça va être leur taf. Ils vont être chef de rayon, chef de secteur. Après, croyez pas qu'en vrai, c'est aussi facile, hein, les gars. Croyez pas qu'en vrai, c'est aussi facile. Ok. On hands on, ok. Mimolette. La mimole. Je paye facture, là. J'ai 700 sur moi là et j'ai payé, j'ai tout mon stock, j'ai payé mes factures. Journée bénef là. Ça va être une belle journée ça. Je le sens bien. Prenez du thé madame. Le thé est en promotion. N'hésitez pas, le thé est en promotion mes amis. Riz basmati. Mon papa, pain de mie. Riz basmati, bon papa, pain de mie. Ok. Très bien. Celui-là. J'aime bien, ça bip de partout, j'adore ça. J'adore ce bruit-là, ça bip.
J'aime bien. Moi, je suis addict à regarder. Il y a beaucoup de gens qui sont addicts à regarder. C'est vrai, ça. Du bon papa, là. Yaourt. Yaourt, ça part pas. Beurre. Oh oui. Oh là là. Oui. Ok, parfait. On est à 2000 balles là. Oh là là là, masterclass. Personne veut de mon jus d'orange ? Et mes frites ? Ah, ça je savais. Pour le PQ. Putain, le PQ, regardez. Ça part si vite. Oh, le thé est bien, le thé. Oh oui, oh là là, oui. T'as toutes les capsules que les gens me prennent. C'est souvent des femmes qui me prennent les capsules de machine à laver quand même. Ok. Huile Puget, huile jaune. Ouais, huile Puget surtout. Oh putain, les pâtes. Oh putain, les pâtes. Poulet aussi. Plus de poulet déjà. Poulet, ouais, deux poulets. Poulet, trois patates. 21h, putain, je suis baisé. Je me prends du café en balle. Rien là-dedans, mais on me vole. Si je mets ça là, c'est qu'il y a des trucs dedans. On me vole. On prend toutes mes patates. Ok. Bonbon 2, chocolat 2. Spaghetti 1. J'ai 3100, sachant que j'ai payé mes factures. Oh, on est pas mal du tout là. Je vais prendre mes miolettes là. C'est ma gueule. Les œufs par 12, maman. Ok, fin de journée. Ouais, le chiffre d'affaires, il est énorme. C'est bon ça.